L'Iran lance un avertissement à Boris Johnson le jour de sa prise de fonction comme Premier ministre britannique. Téhéran assure qu'il protégera le Golfe alors que la crise avec Londres reste dans l'impasse. Les autorités iraniennes retiennent toujours le Stena Impero. Un tanker britannique a résonné vendredi dans le détroit d'Ormuz où se cristallisent les tensions. Les gardiens de la Révolution ont courageusement et vaillamment saisi ce pétrolier britannique qui a enfreint la loi parce qu'il a refusé d'obtempérer et de se conformer aux règles. Cette opération a été réalisée avec justesse et précision. Le monde entier devrait être reconnaissant envers les gardiens de la Révolution de maintenir la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Téhéran, qui retient toujours l'équipage du pétrolier britannique, se dit responsable de la sécurité et de la liberté de navigation dans le golfe Persique, alors que les côtes iraniennes s'étendent sur plus de 2000 km dans cette zone. Londres nie avoir dépêché un émissaire en Iran pour tenter de débloquer la situation, alors qu'un navire iranien reste confisqué par Gibraltar depuis près de 2 semaines.